Salut à tous, c'est Nasband qui vous parle, comment ça va? Moi je vais super bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de FF13, de quoi d'autre? Hein? Je veux dire, vous avez vu le titre de la vidéo, non? Vanny, qu'est-ce que tu fais là? Ah d'accord, moi ouais, j'avais coupé juste avant une cinématique, comme d'hab. Non, c'est vrai Vanny, tout est cristallisé! Oui, bah, comme d'hab, hein, je veux dire, ça fait des plombes qu'on est dans un terrain cristallisé, là, d'ailleurs, j'aimerais bien voir autre chose, gentiment. Eh bah, c'est la merde! Tu veux accomplir ta tâche? Tu veux dire que tu veux pas te transformer en monstre sans cœur dégueulasse et difforme qui peut plus penser par soi-même? C'est bizarre! Laisse-moi me tenir le boobs pendant que je dis ça. Peut-être. Peut-être que t'as été une connasse aussi au moment où... où elle t'a annoncé qu'elle était un LC, je sais pas. C'est possible, hein, en plus, je sais pas. Peut-être que c'est le cas. Peut-être qu'elle l'a très mal pris et puis... enfin... Je pense, je sais pas. On verra bien, probablement un flashback pour te le rappeler de toute façon. Hein. Ouais. Wow. Putain, comment il s'acharne sur Vanny. Non mais, et Vanny, elle vous a fait quoi là? Foutez-lui la paix. C'est hallucinant ça. Mais lâchez-la un peu. Bon, en même temps, c'est des machines. Je pense que les sorts d'eau, ça peut aider. Ouais, ouais voilà, attaquez-vous à moi. Moi, je résiste. Merci d'avoir donné le dernier coup, j'avais pas envie d'un tour supplémentaire, t'es gentil. Super, je récupère des CP pour les stratégies là. Ah oui, au fait. Il n'y a pas de nouveaux dossiers, mais les nouveaux objets, on va les regarder vite pour éviter que ça clignote partout dans l'inventaire. Ça, je trouve que c'est une connerie. Hein. Ces foutus triangles, ces foutus points d'exclamation qui clignotent de partout. Non, c'est de la saloperie, ça devrait même pas exister. Génial, j'ai gagné 30 giles. Putain, quand je pense que dans FF9, mais je gagnais du... Mani, tu veux qu'on en parle, peut-être? Putain, quand je pense que dans FF9, je gagnais du fric, à plus savoir qu'en foutre. Et là, mais je galère, sérieux, pour avoir de l'argent. Oui, non, mais j'ai rien dit. Est-ce que le personnage me répondait à moi, là? Parce que j'étais en train de me plaindre du fait qu'il n'y avait pas d'argent. Mais écoute, connard. J'ai besoin d'argent. Tout le monde a besoin d'argent. En fait, non, j'ai réfléchi. Que ce soit dans le jeu ou dans la vraie vie, tout le monde a besoin d'argent. On peut pas vivre sans. C'était la pensée philosophique du jour, les gens. Porte de l'Antiquité. Super. Bon, non, 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 là ça fait 5 minutes de jeu, on va quand même pas s'arrêter là, hein. C'est un peu ridicule. Allez, on y va. Je pense qu'il y a une sauvegarde juste parce qu'il y a un boss ou autre. Ça pue l'arène boss là-dedans, de toute façon. Yeah. Excusez-moi, je vais d'abord récupérer le trésor avant d'aller par le boss. Vous gagnez 600 giles. Hop, sans l'alerte, je t'emmerde. Oh putain, en plus il avait... Allez, vas-y. Voilà, maintenant tu vas crever parce que t'es en état de choc et qu'on te fait des monstres dégâts. Voilà, putain, il fallait que je l'aie en surprise celui-là. Ok, il est en train de faire une charge. Ça change rien parce qu'il est mort comme une merde. C'était un des combats les plus faciles. Non, une fois que t'arrives à prendre les ennemis par surprise, littéralement, tu peux pas perdre le combat. Oh, attends. Il y a différents chemins? Mon dieu! Est-ce que ce serait possible? Non, c'est juste des fourches dans le... Ok. Non, non, je suis en train d'évaluer le... la situation. Voilà. Il y avait un petit peu beaucoup d'ennemis, donc... Putain, mais comment je défonce? Ah,
Ah non, mais là, on les défonce, hein. Et y'a de quoi. J'aime bien... Les cris que fait Vanny quand elle se bat, sérieux. Autant le black, c'est... Là, c'est... D'accord, on a compris que c'est une adolescente joyeuse, mais quand même, là, on est en combat. Elle pourrait faire des cris un petit peu plus... Combat. Je sais pas, moi, je trouve ça mignon, hein, mais y en a que ça pourrait déranger. Oh bon, non, non, y a pas d'autre chemin, en fait. Juste une petite fourche. Ouais, vous savez, c'est ironique parce que ce que j'ai dit dans les premières vidéos du genre « Oh mon Dieu, cette route, j'espère franchement que il va y avoir des embranchements et tout, que ça va pas être une ligne droite tout le temps. » Putain, si j'avais su à quel point j'étais juste en disant ça. Y a que ça. C'est une route droite, tu peux pas tourner, tu peux aller nulle part. Je vous jure que la seule chose que je fais depuis quasiment le début de ce let's play, c'est utiliser mon joystick vers le haut. De temps en temps, quand il y a une fourche. J'ai pas envie de me battre contre ce truc à la loyale. Voilà, c'est bon, tu m'as remarqué là, connard. Non mais moi j'aurais pas attaqué le rôdeur d'abord, hein. Moi j'aurais attaqué la bestiole là. Voilà. Il est en état de choc, parce que putain on dirait pas, hein. Putain, il met un temps à se faire buter celui-là. Oh putain, il en fout plein la gueule à Lightning aussi. Ouh. Technique, acuité. Vas-y. Voilà, utilisez les bonnes attaques les mecs. Après tout, il faut bien que j'utilise des techniques. Un peu quand même. C'est bon? C'est bon? Oui? Ok. Voilà, je m'en fous, je vais pas utiliser le... Allez, on va tenter de s'en sortir sans faire une attaque surprise pour une fois. Oh putain. Super mal ce con. Bon, les soldats, c'est toujours autant de la merde, hein. Le seul truc qui m'inquiète, moi, c'est ce gros truc. Bon, Lightning ne fait que des ruines, donc je suppose que c'est ce qu'il faut faire. Ah, il est en état de choc, c'est bon, on peut lui péter la gueule. Non, maintenant que j'ai compris comment les combats ça marchait, hein, ça va un peu mieux. Je dois avouer qu'au début j'étais complètement paumé, hein. Oh, putain, ça s'en est pris plein la gueule. Espérons qu'il va survivre. Oui, c'est bon. De toute façon, les PV remontent à la fin de chaque combat. Oui, je sais, j'ai pris le mode facile, mais en même temps, je me dis pourquoi pas. C'est pas si mal que les PV remontent à la fin de chaque combat. Voilà, tac tac. Dossier. Ennemi rencontré. Engin militaire. Robot de défense. Voilà, je les ai vus. C'est bon, je... Voilà. Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire? Ah, mais il faut que je sélectionne en plus pour que ça l'annule. Bon, on va aller remettre des nouveaux Crystarium. Hein? On va aller sur attaquant peut-être. Parce que ravageur, j'avais tout mis, hein. Me semble. Non? Oh, j'avais pas tout mis. Merde, presque. Bon. Dani, on va continuer sur Ravageur avec toi parce que... T'aimes bien ta magie, alors... Allons-y. Putain, il y en a vraiment pas grand-chose. Et toi, t'es quoi? Ravageur aussi? Putain, mais vous êtes tous des mages, en fait. Pourquoi j'ai fait ça? Je voulais pas aller là, en fait, hein. Le jeu a décidé où c'est que je devais mettre mon truc. Non, mais sérieux. Puis je vois que Hope est aussi un combattant, ce qui me fait un peu peur, parce que ça veut dire que je vais devoir me battre avec lui à un moment donné. Je m'en fous de ton avis, Zaz. Bon, après, je dirais ça apporte un peu de vie, le fait que les personnages discutent pendant qu'on est en train de voyager. C'est toujours sympa. Bon, on va aller jusqu'au prochain point de sauvegarde, et puis on va s'arrêter là, hein, évidemment. Voilà. Par contre, il y en a des trésors en ce moment, vous gagnez 3 potions. Attention, il faut que j'aille voir dans l'inventaire parce que... Oh! Et t'as vu? 3 potions, c'est bien, hein? T'es content, connard? Allez, vas-y, on t'a mis un triangle pour... On t'a mis un triangle danger pour que tu t'en souviennes. Des fois que, hein. Bon, bah, putain, mais les points de sauvegarde, mais ils sont pas espacés, mais c'est hallucinant!
Par là? Tu veux aller où par là, Vanille? Je veux dire, c'est rempli de débris, tu peux pas aller plus loin, c'est débile. Enfin voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, les gens, vous pouvez laisser un j'aime, commenter, vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter, et la mettre en favori, tout ça me ferait vraiment plaisir. Si vous rejoignez sur ma page Facebook qui est dans la description de la vidéo. Voilà, sur ce, moi je crois que je vous ai tout dit, donc ciao les gens, c'était Nasband pour vous servir, allez, bye. Je vais te vider. Merde.